dois être galant, c'est une obligation. Un homme, c'est la galanterie. Mais attends. Un homme doit être galant, du coup, chaque fois qu'il va au restaurant avec une femme, c'est à lui de payer. La plupart, oui, la plupart des restaurants. Regarde, d'accord, tu vois. Mon pote, sur la vie de ma mère, regarde, si la femme, elle travaille, elle gagne des sous, et là, que j'étais à côté, pourquoi pas payer de temps en temps? C'est vrai, pourquoi c'est toujours à l'homme de payer? De temps en temps, je suis d'accord, mais la plupart de tous les restaurants, c'est la galanterie, c'est jean d'un homme. Tu vas au restaurant avec un gars, le gars paye pas le resto, est-ce qu'il perd des points? Ouais. Eh, mais c'est un truc de fou. Désolé, je m'en bats la couille sur la vie de ma mère, je m'en bats la couille. Tu perds des points, tu perds pas des points. Je m'en bats la couille. T'as perdu. Fierté. Il a perdu. Mais il a perdu quoi? Tu veux pas capable de m'inviter au restaurant? C'est pas que l'homme il bricole, il protège, il fait la bagarre, il reste la nuit, il travaille 8 heures par jour, tu l'as oublié. Ouais, mais les femmes aussi peuvent inviter dans temps. Voilà, Farah. Donc, Farah, toi, t'es d'accord avec Cappuccino? Elle aussi, elle a dit de temps en temps. Non, mais hey, moi, je te parle du premier rendez-vous. Pourquoi toujours l'homme. Ouais. Toujours l'homme. Ici, moi, je t'en ai,